Alors, bonjour. Salut. As-tu l'impression de commencer une nouvelle carrière ou même de vie suite à ton succès assez fulgurant ? Très sincèrement, j'y pensais pas il y a 6 mois, mais là, ça commence vraiment. Ouais. Là, je commence à me dire que je me considère plus comme un youtubeur, enfin comme un vidéaste, que comme un informaticien, de plus en plus. Pour l'instant, en pratique, je bosse encore beaucoup mon autre boulot aussi. Alors, selon toi, les youtubeurs ont-ils une responsabilité de leur contenu ? Est-ce vrai à partir d'un certain succès ? Je pense que c'est vrai, quel que soit le niveau de succès. Je pense juste que quelqu'un qui n'a pas d'audience, ça ne porte pas grande importance. C'est comme un type qui est dans la rue, qui va gueuler une connerie du style pouvoir au blanc. S'il n'y a personne pour l'écouter, c'est juste un sale con. S'il a 150 000 personnes qui l'écoutent, là, c'est plus qu'un sale con, c'est un vrai problème. Et les youtubeurs, je pense que justement, il y a beaucoup de youtubeurs là, qui, en ce moment, qui sont en train de prendre pas mal de visibilité. Ce qui est super pour eux, mais sans nécessairement avoir pris le temps d'avoir le recul nécessaire pour se rendre compte de la responsabilité que c'est. Moi, je pense que la chance que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai 38 piges et que je l'ai déjà, ce recul. Mais je pense que il me serait arrivé exactement la même chose à 25 ans. Je pense que je serais en mode YOLO à dire n'importe quoi. J'ai toujours cru qu'il n'y avait que les vidéos de chats qui pouvaient générer un maximum de vues. Or, toi et de nombreux autres vidéastes présents ici prouvent le contraire. À ton avis, qu'est-ce qui donne l'envie aux gens de regarder des vidéos plus sérieuses ? Je pense en fait que à un moment donné, les vidéos de chat, ça marchait parce que c'est rigolo. Comme c'est un format qui est très court, ça se partage bien. Et du coup, les gens se sont imaginés que si c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut faire. Donc du coup, on a eu un foisonnement. Bon, après, il y a aussi plein d'autres histoires de toxoplasma gondii, tout ça. Enfin, bref. Mais à côté de ça, ce qui se passe, c'est moi, je me suis rendu compte en faisant mes vidéos, alors qu'en plus, elles sont super longues. Moi, on me disait, premier épisode, on me disait 3 minutes 30, 4 minutes, pas plus. Premier épisode, je crois qu'il fait 16 minutes. C'est-à-dire, le micro-trottoir fait 4 minutes, déjà, à la base. Et les vidéos marchent, etc. Les gens regardent. Donc moi, ça m'a fait comprendre, en fait, les gens, ils regardent parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses, ils ont envie de passer du temps. En même temps, c'est vrai qu'il y a un rapport qui est très très direct avec l'internaute. Là, je m'en rends compte avec les gens qui sont venus signer. Je dis, voilà, il y a une vraie proximité. C'est des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, mais on se connaît un peu quand même. Et je pense que tout ça fait que c'est quelque part sans doute une expérience sociale et qui en plus enrichit tout le monde, moi le premier. Et autrement que pécuniairement, allez pas tout de suite vous imaginer qu'il s'agit de pognon, non, ça enrichit personnellement. Avec le succès des vidéos éducatives et des MOOC organisés par de nombreuses universités, penses-tu que c'est tout le système éducatif qui est en train de changer ? Tu te sens comme un prof 2.0 ? Alors, comme un prof 2.0, non, je veux dire que moi j'ai un vrai profond respect pour les profs, et pour moi, le professeur a besoin d'avoir un rapport direct et physique avec ses élèves. Physique au sens où il a besoin d'être dans le même espace. Parce qu'il y a une vraie dimension de mentor chez les profs. D'ailleurs, on le sait, hein, je veux dire, moi, le nombre de gens qui me disent qu'ils ont lâché les maths parce qu'ils avaient un prof qui était un gros con, ou qui me disent qu'ils adorent la science parce qu'ils avaient un prof qui était génial. Ouais. Pareil pour l'histoire, tout ça. Le professeur, c'est vraiment un guide personnel. Après, les MOOC, c'est vachement bien pour vraiment s'occuper d'un point, d'un programme particulier, dire voilà, je veux parler de Pythagore, je veux parler de Thalès, je veux parler de ces choses-là. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est sympa, mais ça s'approche presque plus de la culture générale. Alors ça peut être parfois un peu plus poussé, mais moi, ce que je fais, c'est pas un cours. Ce que je fais, d'ailleurs, la plupart des profs qui utilisent mes vidéos en cours le font à titre introductif. C'est-à-dire, ils disent, on va parler de relativité restreinte, on va passer d'abord la vidéo de la relativité restreinte, et ensuite on va faire la théorie. Et c'est vrai que le fait d'avoir vu d'abord la vidéo fait qu'ils ont une meilleure appréhension du sujet, sans doute, mais ça ne remplace pas un cours. Les mecs pourront regarder mes vidéos en boucle jour et nuit, ils ne pourront pas calculer le mouvement des planètes ou la chute d'un corps, quoi. Il y a déjà des profs qui t'ont dit qu'ils avaient passé ta vidéo en introduction justement avant leur cours ou quoi ? Ouais, il y en a plein. Et alors c'est marrant parce qu'en général, c'est le prof me demande d'abord et les élèves le tweetent après. Mais pour des raisons de droit qui sont assez évidentes, en général, j'ai pas de photos. Moi, ça m'embête. Alors, des fois, j'ai des photos où on voit juste sur l'écran géant et on voit quelqu'un de dos un petit peu. Mais voilà. Mais même moi, j'ai été invité à faire des présentations devant des classes dans des collèges. Et c'est génial. Alors, pourquoi avoir déposé le nom d'Y Penser ? Dès le début, tu avais déjà en tête un projet professionnel. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses. D'abord, moi, vraiment, en tant qu'informaticien, il y a genre 3 ans, je me réveille comme ça en disant « Y Penser, personne n'y a jamais pensé. » Donc, je dépose le nom de domaine. Et j'ai déposé coup sur coup le nom de domaine, ypenser.com et yarriver.com.
y arriver, j'en ai rien fait pour l'instant. Et je savais pas du tout si j'en ferais quelque chose ou quoi. Ou... Voilà. À côté de ça, c'est vrai que mon expérience pro fait que dès que j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit immédiatement, il faut que je dépose la marque. Simplement pour protéger, y penser. Voilà. Mais je l'ai fait comme je l'ai fait pour ma boîte. Et ma boîte, elle a un slogan. J'ai aussi déposé le slogan. Je le fais. Voilà, c'est-à-dire que moi, je connais un petit peu le monde de la propriété intellectuelle. Donc, dépôt de marque, brevet modèle, nom de domaine, toutes ces choses, droit d'auteur, toutes ces choses-là. Donc, du coup, pour moi, c'était un réflexe. Et comme derrière, j'avais vraiment une assise professionnelle, je veux dire, ça coûte pas si cher. Quoi. Je veux dire, ça résout des problèmes. Donc, là, aujourd'hui, y penser et protéger dans toute la zone Europe. Eh ben, merci d'avoir répondu à notre interview. On est très heureux de vous avoir rencontré. Hein. Pour y voir plus clair, prenez le temps d'y penser, et tout ça bien sûr, chez Infor Jeune.